Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous présente un modèle qui vient de rentrer chez Camping Car de l'Ouest, ici à l'Opérette. Nous, on est dans le Finistère. La Capucine fait son retour. On est sur Fiat avec un Rimor Seal 50. On remarque qu'on est sur une structure en polyester, jante aluminium 15 pouces, montée sur Fiat. On a des lits superposés arrière de chaque côté, donc 4 lits superposés. Et cet avantage, c'est qu'on peut lever ces lits pour faire une grande soute, si vous voulez la regarder. On a vraiment beaucoup de place, donc on a deux grandes soutes comme celle-ci si on part à 4, sinon on peut partir à 6. On a ici un énorme espace, une grande dinette. Voilà, c'est un 6 places carte grise, 6 places couchage et on peut réellement manger confortablement à 6 autour de cette énorme table. Et la journée, on dégage et on a là un grand canapé et vraiment du super confort, très 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 agréable. Donc on a ici le couchage supérieur, on a un grand lit d'1m60 et surtout ici ça se relève de manière à ce qu'on ne se fasse pas mal à la tête lorsqu'on va s'asseoir et qu'on prend place au volant. Porteur Fiat avec l'ASR de série, clim, régulateur de vitesse, limiteur de vitesse. Une cuisine avec beaucoup d'espace, donc ici l'évier, voilà, et là trois feux. Je sais, vous allez me dire trois feux, j'en ai pas besoin, mais ils sont là, on va pas les changer. En dessous, des rangements, voilà, tiroir, et là encore un rangement en dessous, voilà, le casserolier, et au-dessus, des rangements partout, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Placard. On vient ici, on voit le frigo. Grand avec congélateur. Et ici, la penderie. Voilà. Ici, de part et d'autre du véhicule, on a deux lits, droite et gauche, et deux lits. Donc ça fait 4 places. Et entre les deux, on accède directement à la salle d'eau. Qui est juste très très confortable, hein, ça va. On a un rideau et ici bien sûr du rangement, cabinet de toilette, on y est bien, bien sûr il se tourne pour prendre position sur le cabinet de toilette, avec encore du rangement ici, donc largement suffisant. Ce véhicule vient d'arriver, on vient de le mettre en place sur le parc. J'ai malheureusement pas les prix à vous donner. On a une capacité d'eau de 120 litres et une centaine en eau usée. On doit avoir, je pense, environ 700 kg de charge utile. Je dis bien je pense, mais je confirmerai et je mettrai plus de détails sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à venir la découvrir et surtout, partagez la chaîne. Partagez, c'est important. Je vous remercie et puis à très bientôt.